Ce sont eux qui font le charme du film adapté du roman Petit Pays de Gaël Faye. Gabi, Anna, sa sœur et leurs amis Armand, Gino et Francis. Dans le film comme au roman, ils vivent une enfance heureuse au Burundi jusqu'à ce que tout bascule sans qu'ils ne comprennent pourquoi. Pour Djibril, le jeune acteur qui joue Gabi à l'écran, le résultat de l'adaptation est impressionnant. Oui, très satisfait parce que quand je regarde le film, on se sent tous à l'aise. Quand on joue, on se sent à l'aise, on rigole ensemble. Mes premières impressions, j'ai beaucoup d'émotions. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'était une très bonne surprise parce que j'ai beaucoup aimé. Daïla de Medina interprète Anna, la petite sœur de Gabi, le garçon qui raconte l'histoire. Comme Gaël Faye, elle trouve bouleversante l'histoire de Petit Pays et quelques scènes qui étaient particulièrement difficiles à jouer. Tout ce qui a été dur pour moi, c'était à partir du moment où la maman revient de Bukavu. Tout a changé. C'était pendant les cascades. Quand Francis doit nous noyer la tête, ça faisait très mal au cou. Mais une fois que tu t'es habitué, ça va tout seul, donc il ne nous disait pas trop de tirer la tête. Petit Pays relate l'histoire d'un petit garçon qui, dans les années 1990, vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il mène une belle vie avec ses copains jusqu'à ce que la guerre civile éclate, mettant une fin à l'innocence de son enfance.